monde, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, oui, ça va très bien, merci. Fantastique. Génial, hein? As-tu mis du déo aujourd'hui? J'ai mis du déo aujourd'hui. Mon Dieu, que ça commence bien un vlog. Regardez mon haut, comment il est cute. Je l'avais acheté au H&M, puis je l'avais jamais porté encore, puis là, je me rends compte à quel point j'aime cette couleur, donc c'est une magnifique journée. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Là, je m'apprête à aller filmer une vidéo dans pas trop longtemps. Puis après ça, je sais pas trop c'est quoi nos plans en fait aujourd'hui. Je commence le vlog, mais j'ai comme pas vraiment d'idée c'est quoi nos plans. Ben avant tout, on va aller se faire vérifier pour l'herpès de l'œil. Moi, ma question, c'est plus comme qu'est-ce qui t'est passé par la tête en disant ça? Expérience personnelle. Ah, c'est bon à savoir. Enfin, j'ai l'herpès, mais c'est pas dans mes yeux. Oh! Je tiens tout de suite à vous rassurer que ce n'est pas vrai du tout. Mais en fait, je sais même pas c'est quoi nos plans aujourd'hui. Dans le fond, je pense que je vais aller filmer ma vidéo, puis on verra à partir de là. Puis on a déjà plus de batterie dans la caméra de vlog, donc ça commence pas très bien. Bon, ben j'ai fini de filmer. Oh, puis j'ai full aimé ça, filmer cette vidéo-là. C'était comme mes meilleurs moments de 2017, puis les choses que j'aimerais réaliser en 2018. Et puis pour vrai, j'aime tellement ça regarder ce type de vidéo-là. J'en ai regardé plein sur YouTube cette année, comme on dirait que ça me motive. Puis je sais pas, j'aime ça voir c'est quoi les accomplissements des gens cette année, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tout ça. Enfin, en tout cas, j'ai fini de filmer la vidéo, ça a vraiment bien été, je l'ai faite en comme 17 minutes top chrono, mais la vidéo durera pas 17 minutes, là, il va y avoir des coupures pis tout ça, mais pour vrai, je suis vraiment contente, donc wouhou! Fait que là, je vais tout commencer à fermer, je pense que je vais mettre les fichiers dans mon ordi déjà pour m'assurer que tout est correct, commencer à regarder ça, puis peut-être commencer à planifier une autre vidéo parce que j'ai comme, là, on est aujourd'hui jeudi, puis on part mercredi prochain, donc j'aimerais ça avoir au moins... dans le fond, j'ai pas le choix d'avoir une vidéo pour quand on va être au Mexique, parce que dans le fond, on est parti du mercredi au mercredi, fait qu'il faut une vidéo pour le samedi, puis j'aimerais vraiment ça qu'elle soit déjà montée avant que je parte, parce que je sais pertinemment que je vais travailler là-bas quand même un peu, mais j'aimerais ça travailler sur d'autres trucs, tu sais, pas avoir à faire du montage, parce que faire du montage, il faut être un peu plus concentré, puis en tout cas, tu sais, ça va mieux sur... Oh, je vais éteindre ma bougie. Ça va mieux sur mon nouvel ordi que sur mon ordi portable. Fait que j'aimerais ça essayer de clencher ça avant de partir. Là, ce serait vraiment bien. Comment ça va, toi, beau monsieur? Ouais, donnes-tu des coups de bacon d'en face? Non! Donne pas de... Hey! Je t'interdis de faire ça! C'est ton hey qui a eu peur. Père de marde! T'es un mauvais papa minet. Faut être gentil avec le fudge. Des coups de poisson. Non, arrête. Son poisson, c'est son coussin. Par contre, souvent, il dort comme la petite tête à côté. Aussi avec son cactus. Ton cactus aussi. Ouais, son bacon aussi, une fois. Ouais, ils aiment tout, dans le fond. Monsieur pourri gâté. Hein? Je viens d'aller chercher notre valise parce que faut qu'on commence à faire nos valises bientôt. Puis dans le fond, l'avantage, c'est que comme c'est des vêtements d'été, ben on peut commencer à faire nos valises pour ne comme pas peur d'utiliser, d'avoir peur d'utiliser... Attends, non, c'était vraiment pas clair qu'est-ce que j'ai dit. On n'a pas besoin d'utiliser les vêtements qui vont être là-dedans parce que c'est des vêtements d'été, fait que logiquement, on les met pas parce qu'il fait moins 30 degrés Celsius. Mais dans le fond, c'est ça. Je pense que je vais commencer tranquillement, pas vite aujourd'hui. Là, soit ce soir ou demain, je sais pas encore, on va aller au Carrefour Laval pour faire des petits achats très dernière minute de ce qu'on a besoin. Mais j'ai 3 maillots. Déjà, il y en a... Fait que, pis il sait pas s'il fait encore. Fait que, à date, Jay a 0 maillot. Moi, j'ai juste 3 maillots, mais en tout cas, je pense que on devrait être pas pire quand même. Ah, mon tiroir de, en majorité, des vêtements d'été que je ressors avec grand plaisir parce que quand je regarde par la fenêtre, là. Mais le pire, c'est que c'est comme ultra beau, là, la petite neige comme ça. Pis si je zoome comme ça, pis on regarde les toits des maisons, comme c'est tellement beau, mais mon dieu, que c'est froid. Bon, fait qu'on commence ça. Si vous trouvez que la valise a l'air grosse, c'est pas juste ma valise à moi, c'est honnêtement notre valise à tous les deux. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à amener deux petites valises, on est mieux de prendre une grosse valise pour les deux. Bon, mais j'ai commencé à placer plein de petits trucs ici. Je vais vous montrer après qu'est-ce que je mets dans ma valise, en tout cas pour le moment. Mais là, je vais prendre une petite pause de 5 minutes pour mettre des gouttes dans mon oreille. Parce que je vous explique, là, je pense pas que j'en ai parlé, en fait. Mais depuis, comme... Genre... Je sais pas, là, 3-4 jours, j'ai vraiment mal à une oreille. Puis tu sais pas... mal genre tout le temps, mais quand je mange, je ressens une douleur, puis quand je baille, j'ai comme un peu mal à mon oreille, puis je savais pas trop c'était quoi, puis tu sais, j'ai regardé sur internet, puis j'ai demandé à mon ami Marc-André qui étudie pour être infirmier, puis il m'a dit c'est probablement une petite infection, puis là j'ai regardé sur internet, puis là j'étais comme, tu sais, j'ai jamais mal aux oreilles honnêtement, puis tu sais, comme j'ai dit, c'est pas tout le temps, tu sais, c'est juste une fois de temps en temps, puis tout ça, puis finalement, hier, je suis allée à la pharmacie, parce que j'étais comme...
Tu peux pas vraiment prendre l'avion quand t'as mal aux oreilles, là, c'est pas vraiment bon à cause de la pression. Fait que je suis allée à la pharmacie, puis le pharmacien, parce que dans le fond, je suis pas allée chez le médecin parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas de médecin, puis j'ai pas vraiment le temps honnêtement, là, fait que je me suis dit, je vais aller voir à la pharmacie avant, puis on va voir qu'est-ce que le pharmacien va me dire. Fait que finalement, il m'a donné des gouttes polysporins, c'est sans prescription, mais tu sais, faut parler à un pharmacien, là, où tu l'as échappé. Faut aller au comptoir, fait que dans le fond, c'est probablement comme juste une petite infection parce que j'ai aucun symptôme d'un otite, là, c'est vraiment pas ça. Une otite, un otite. En tout cas, j'ai aucun symptôme de ça, donc c'est probablement juste une petite infection, puis j'ai tout le temps comme les sinus bouchés aussi, fait que ça découle sûrement de là, mais là j'ai commencé à mettre des gouttes comme juste depuis hier, puis ça va vraiment bien honnêtement, donc je vais attendre de voir un peu, là je me dis, tu sais, je me laisse 2 jours, puis si jamais je vois que comme dimanche, lundi, j'ai encore mal parce qu'on part mercredi, fait que si je vois que dans ces journées-là j'ai mal, ben là je vais me prendre un rendez-vous comme chez le médecin juste pour être sûre qu'il y a rien, mais je me croise les doigts puis ça devrait être correct honnêtement parce qu'à date, comme juste avec les gouttes, j'ai vraiment pas eu de problème. Fait que je vais prendre un petit 5 minutes, je vais mettre des gouttes, je vais rester couchée pour comme, tu sais, que pas qu'il y ait des gouttes qui me coulent de l'oreille, fait que je vais regarder des petites vidéos en attendant, mais je me croise les doigts pour que ça se résorbe rapidement parce que c'est pas le fun. Ah, fait que si je commence à vous montrer mes valises, dans le fond, j'ai ce haut de maillot là et celui-là ici que je n'ai pas de bas encore. Fait qu'il va falloir que j'en trouve un, mais tu sais, je veux dire, sont noirs et blancs, donc je pourrais en avoir un noir puis filtrer avec les deux, ou même à la limite un blanc, ou je sais pas, mais ce sera sûrement pas très compliqué à trouver. Fait que je vais sûrement les amener quand même s'ils sont pas complets. Sinon, j'ai celui-là ici que j'ai acheté au Pink et que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, j'ai le haut et le bas. Puis ça, je vais aller voir au Pink en fait s'ils en ont pas d'autres. Sinon, j'ai celui-là ici qui va avec le bas ici. Et j'ai celui-là ici qui va avec lui, que je vous avais déjà montré. Donc ça, à date, c'est pas mal mes maillots. J'aimerais, en tout cas, ça va dépendre si j'arrive à en trouver un bas de ceux-là. Mais en tout cas, j'amènerai pas mal tous ceux-là, je pense, parce qu'il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Puis de toute façon, ça prend vraiment pas de place. Sinon, j'amène plein de petites robes parce que je pense que, tu sais, ça se met bien par-dessus un maillot. Donc j'ai celle-là ici. Puis celle-là, en fait, est vraiment courte parce que je l'ai mis dans la sécheuse par accident. Donc elle a vraiment rapetissé. Mais je la trouve super belle. Puis je me dis que dans le sud, tu sais, avec un maillot, c'est pas vraiment grave si elle est courte. Parce que, tu sais, c'est pas, ce sera pas indécent dans le fond, là, ça va vraiment être fait pour ça. Sinon, j'ai celle-là ici qui est une petite robe, là, une robe très simple, mais que j'aime beaucoup aussi. J'ai celle-là que j'ai achetée au American Eagle avec des petites manches comme ça. J'ai celle-là aussi qui vient du American Eagle que je n'ai jamais mis. Je l'ai acheté cet été, puis je l'ai pas mis une fois encore, fait que je vais m'en servir en voyage. Puis sinon, j'ai ça ici que je vais vous insérer une photo ici si jamais je la retrouve, mais je l'avais mis une seule fois à Los Angeles, puis finalement, on avait comme même pas vlogué, puis on n'avait pas publié les photos que j'avais prises avec ça, fait que c'est comme, je pense que vous l'avez jamais vu dans le fond, mais il est full beau là. Sinon, j'ai 3 paires de shorts, mais ça je pense que c'est peut-être beaucoup honnêtement, parce que je sais pas si je vais en mettre tant que ça, mais j'en ai une noire, une blanche, puis une plus en jeans, et sinon j'ai celle-là ici que j'ai jamais portée encore, parce que je les ai achetées comme plus cet hiver, mais elles sont un peu plus chic celles-là, fait que je vais peut-être les amener aussi, parce que je les trouve vraiment belles, puis pour vrai, là, c'est fou à quel point ces vêtements-là, ça prend pas de place dans une valise. Puis sinon, j'ai commencé à réunir tous les petits trucs nécessaires, comme ça ici, des cotons démaquillants, crème solaire pour le visage, du Purel. Ça, c'est un baume à lèvres avec de l'écran solaire. J'ai d'autres crèmes solaires ici. Ça, en fait, c'est quoi? C'est un... Je sais même pas, en fait, c'est Biotherme qui me l'a envoyé, mais je l'ai pas utilisé parce qu'en fait, je me suis pas fait bronzer une seule fois cet été. Donc, c'est une... crème hydratation qui sublime le bronzage. Eh bien, fait que je vais sûrement l'amener. Ça ici, c'est une gelée auto-bronzante, mais ça, je l'amènerai pas parce que ben, je vais probablement pas réussir à bronzer de toute façon. Bon, fait que pour ce qui est de ma checklist de la journée, je pense que côté valise, c'est good. Là, j'ai déjà comme pas mal de trucs, puis il va manquer, ben, tu sais, évidemment, des sous-vêtements, des bas, des t-shirts, puis tout ça, mais... je vais aller voir dans les magasins un peu, tu sais, si je peux pas prendre d'autres trucs, mais sinon j'en ai pas besoin de tant que ça parce que je pense qu'avec les robes, je vais vraiment être correcte. Donc là, je vais vraiment me faire une checklist de voyage complète. Je vais aller voir sur Pinterest puis l'imprimer, tu sais, pour être sûre que j'oublie rien. Comme ça, quand je vais réellement faire ma valise au complet, ben là, je vais être certaine de tout avoir. Puis là, je vais aller jeter le recyclage et les poubelles, parce que faut que je le fasse, fait que je vais aller faire ça tout de suite. Bon, mais là, je vais commencer à faire le montage de ma prochaine vidéo, puis là, j'ai installé la GoPro en arrière de moi. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, là. Je sais pas si je vais l'intégrer ou pas, mais je me suis dit, je vais comme faire un petit timelapse de moi qui fait mon montage, là, puis c'est vraiment une vidéo qui est facile à filmer, là. Je parlais devant la caméra comme tout le long, puis je vais insérer des petits trucs ici et là, mais sur ce, let's go!
Bon, donc là, je viens de finir le montage de base. Dans le fond, j'ai pris comme le fichier de 17 minutes, puis oh là, faut juste que je l'arrange, là, mais dans le fond, j'ai pris le fichier de 17 minutes, puis je l'ai réduit à 9 minutes et demie à peu près. Je vais peut-être le couper encore, je sais pas trop, mais ouais, dans le fond, ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes, là. Ça, c'est comme pas la partie qui est tellement longue, donc là, je vais m'attaquer, ben là, je vais recadrer ça de base. Bon, voilà, fait que ça c'est fait, donc là je vais m'attaquer aux couleurs parce que c'est très grisé en ce moment, fait que je vais mettre ça un petit peu plus lumineux, puis sinon j'ai mis comme, je sais pas si vous voyez là, vous verrez sûrement pas très très bien, mais il y a comme des petits espaces en chaque, mais dans le fond c'est comme tous mes 10 meilleurs moments. Moi dans le fond je fais tout le temps mes montages comme ça, tu sais, je fais pas tout d'un coup, c'est vraiment rare que je vais faire tout un montage au complet d'un coup parce que, je sais pas, on dirait que mon attention est pas capable de faire ça. Mais dans le fond, une fois que les couleurs vont être faites, là, je vais commencer à tout installer, peut-être mettre, là, faut qu'on me refasse un nouveau titre, puis des intersections, puis des choses comme ça, parce que, dans le fond, c'est plus ma série d'hiver, tu sais, c'est ma, ben, non, c'est pas vrai, c'est ma série d'hiver, mais c'est plus ma série de Noël, donc il va falloir qu'on me trouve un autre titre, un autre truc en attendant, fait que ouais, mais ça avance quand même bien, là. Je vais essayer de trouver des clips, par exemple des vlogs ou des photos, des choses comme ça, tu sais, qui sont relatifs à tous les meilleurs moments que j'ai présentés dans la vidéo, mais ça avance vraiment bien. Bon, mais là je nous fais à manger, je nous fais un bon petit repas, donc je fais des pommes de terre, des patates que je vais faire, je vais les couper dans le four, puis je vais mettre des épices, puis j'ai fait rôtir dans le four, puis sinon on a... J'ai mal calculé ma shot, puis je viens de réaliser qu'on était censé manger des saucisses, mais j'ai fait congeler les saucisses, donc je pense pas qu'elles vont être prêtes pour ce soir. Typique-moi ça. Mais en fait, je sais pas combien de temps des saucisses ça prend à décongeler. Fait que je vais aller lire sur internet, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Puis s'ils disent que ça prend comme pas trop de temps, on va pouvoir manger ça quand même. Bon, mais finalement, on a réussi à décongeler les saucisses à temps. On a mangé comme plus tard que prévu, là, mais c'est ça. Fait que c'est des petites patates avec des saucisses. Puis monsieur ici, là, je pense qu'il en veut, mais il peut pas manger ça parce que c'est vraiment pas bon pour lui qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a comme, surtout, tu sais, il y a des épices puis tout ça, fait que jamais je donnerais ça. Tu sais, ce qu'on y donne, c'est, mettons, de la viande qui a aucune épice dedans. Tu sais, comme du poulet blanc ou des choses comme ça. Mais pauvre gars, hein? Parce que mon assiette est là, puis lui, il est là. T'es là, avec ton beau chandail. Merci. Qu'est-ce que tu fais, beau garçon? Tu fais ton petit dodo sur le sofa, hein? Il est comme couché, là, là il était, parce qu'on l'a flatté, mais il était tout étiré sur le sofa au complet. T'es-tu un petit peu fâché que t'as pas eu de saucisse encore? Tiens, voici ton poisson. Voici ton poisson. Oh, tu l'aimes, ton fichi. Bon, mais je vais prendre une petite pause de ce que je faisais, c'est-à-dire éditer des vidéos, écrire des scripts de vidéos, regarder des vidéos. Bref, j'étais dans un mode très YouTube. Donc là, je vais aller me démaquiller. Puis, je vais également en profiter pour me faire, je pense, un masque. Parce que j'ai la peau dégueulassement sèche ces temps-ci. Là. C'est affreux à quel point c'est sec. Donc, je pense que je vais en profiter pour faire des petits soins. Puis, pour vrai, je fais vraiment pas des masques souvent, honnêtement. Mais là, je pense que c'est comme... J'ai atteint un point de non-retour. Là, ma peau est vraiment trop sèche. Bon, fait que si jamais ça vous intéresse, je commence toujours par me démaquiller avec l'eau micellaire de Bioderma, c'est comme ma préf. Puis j'ai des lingettes aussi comme au cas où je suis vraiment lazy, mais honnêtement j'aime vraiment mieux l'eau micellaire. Après ça, je me lave le visage avec le soin dépolluant de Biotherm, il sent vraiment bon puis il va vraiment bien. Puis j'utilise mon bébé clarisonique aussi, là, ça va vraiment bien les deux ensemble. Après ça, pour les masques, j'ai celui-là de Vichy que j'aime beaucoup, mais ça c'est plus un masque purifiant, fait que je vais pas l'utiliser ce soir, là. Je vais chercher voir si j'ai pas un masque hydratant. Puis sinon, ben pour les crèmes, j'en ai plein. Là, j'ai mon sérum de Jouviance, j'ai une crème de jour de Jouviance. Ça, c'est ma crème de nuit de LR Cosmétiques. J'ai celle-là ici de Kiehl's qui est la crème. Là, ça focus pas. Mais c'est la crème pour les contours de yeux. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que pour les cernes, c'est génial. Puis sinon, j'ai deux autres crèmes aussi. Celle-là, la Aqua Source de Biotherm. Et ça, c'est plus un masque en fait de Olay. C'est une crème, mais je l'utilise plus comme masque parce qu'il est vraiment intensément hydratant. Fait que je vais regarder si j'ai quand même pas un autre masque. Mais sinon, celui-là, il fait très bien la job. Là, dans le miroir, pendant que je vous parlais, j'ai vu quelque chose. Je le savais que j'avais vu quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Dans mes bottes. Ouais, il y a mes bottes, puis ma valise, puis des maillots. Qu'est-ce que tu fais, garçon? Fait que là, évidemment, Fudge a trouvé un sac. Donc Fudge va se coucher sur le sac. Il y a comme
tout l'appart au complet qui est confortable pour lui, mais non, il va se coucher sur un sac. Bon, fait que finalement, j'ai bel et bien mis ce masque hydratant de Olay. Je l'aime full pour vrai, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, là. Puis là, ben, vous voyez pas vraiment. Ah, ben, peut-être vous voyez un peu comme ça. Mais j'en ai mis une couche vraiment épaisse parce que c'est ça, dans le fond, c'est un masque de nuit, là, de soir. Fait que je pense que je vais le laisser comme épais comme ça jusqu'à temps que j'aille me coucher ou jusqu'à temps que ça sèche trop puis que ce soit désagréable. Mais en tout cas, je me rappelle que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu la peau sèche comme ça. Mais toutes les fois que je l'utilisais, comme ça aidait vraiment puis ça sauvait toute ma sécheresse là. Fait qu'on va se croiser les doigts que ça marche encore. Puis là, mais comme à cause que mes écouteurs sont comme, tu sais, sur le côté de mon visage, je vais pas retourner à l'ordi tout de suite. Mais je pense que je vais commencer à faire le ménage de la cuisine un peu parce que j'ai mes amis qui viennent manger à la maison demain. Fait que je vais faire un petit ménage de la cuisine en attendant que ça pénètre dans ma peau. De la cuisine, de la salle à manger et de la salle de bain. Il va me rester le salon, mais là ça me tentait vraiment plus. Fait que je pense que je vais prendre ça relax pour le reste de la soirée. J'ai pas fini mon montage encore, mais je vais avoir le temps de le faire demain. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben c'est ça, comme j'ai dit, j'ai mes amis qui viennent à la maison demain soir pour manger. Puis dans le fond, ça fait pas longtemps que je les ai vus parce que ça fait moins d'un mois, ça fait comme 2 semaines que je les ai pas vus. Mais avant ça, ça faisait 1 an qu'on s'était pas vus, fait qu'on rattrape vraiment le temps perdu là, mais ça va être le fun, j'ai hâte. Puis sinon, demain on s'en va au Carrefour Laval aussi parce que acheter nos petits trucs qui nous manquent d'ici la fin du voyage. Fait que je pense là, il est 11h30, donc je pense que j'irai pas me coucher trop tard là, j'aime mieux me lever plus tôt le matin. Pis c'est ça. Fait que je pense que je vais juste me lever plus tôt demain. Bon, ben là, il est rendu minuit et quelques, puis je suis vraiment fatiguée, j'arrive plus comme à me concentrer sur rien, mais je suis vraiment contente parce que ça a été une journée full productive aujourd'hui, ça a vraiment bien été. Donc là, moi, je vais aller me coucher, je vais laisser la caméra de vlog à Jay pour qu'il fasse le mot de la fin, puis je pense qu'on devrait vraiment faire comme comment je pourrais dire ça, dans le fond, à chaque fois que Jay ne fait pas le mot de la fin quand je donne la caméra puis qu'il fait comme le lendemain, parce que souvent je fais mes montages de vlog comme le lendemain, ben on devrait comme en tout cas garder compte de tout ça puis à la fin y faire un rapport parce que Jay oublie toujours de faire le mot de la fin. Puis je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'accepteront pas qu'il n'y ait plus de mot de la fin dans les vlogs, c'est comme la tradition, tu sais, depuis les débuts de vlog. Fait qu'en tout cas, je vais aller laisser la caméra de vlog puis on verra demain qu'est-ce qui se passe. J'avais raison, Jay a pas fait de mot de la fin. C'est évidemment, que... j'espère que t'as pas comme misé avec toi-même par rapport à ça. Non, j'ai misé avec tous les gens qui regardent le vlog, je me suis dit on va commencer à faire un log de toutes les fois où Jay fait pas le mot de la fin. Donc première fois. Fait que fais-tu le mot de la fin avec ton beau garçon? Qu'est-ce que tu veux? Non, fais juste y donner son fichier. Qu'est-ce que tu fais avec ton fichier? Oh, il est beau. Ouais, je veux le fichier. Les deux. Ah, il est plein de bave. Ah, ouais. Il est plein de bave, c'est pas ça. Cadeau. Oh. Fait qu'est-ce que Fudge fait le mot de la fin ou tu fais le mot de la fin? C'est ça. C'est ça? C'est un beau mot de la fin.